Salut à tous, c'est Lifexwiz, on se retrouve sur MF6 pour tester un nouveau pack les amis. On va tester d'anciens packs que j'ai jamais acheté et que je voulais tester et qu'on m'a souvent demandé d'ailleurs. Vu que je pars en vacances, j'en profite avant de montrer ça. Ah ça va un peu trop vite, attends Lifex, deux secondes. Quitte-moi ça. Je les ai donc, vu que je pars en vacances, je profite pour faire quelques vidéos d'avance et vous présenter ces anciens packs. Donc il y aura différents packs, il y a le pack de gemmes, les alpha packs, enfin ouverture d'alpha pack, il y aura les packs royales, le pack safari, le pack gravé durant les vacances les deux prochaines semaines, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'hab, un petit commentaire, un petit pouce bleu pour aider, ça aide beaucoup, je vous remercie. Et donc le pack gemmes, c'est un des packs que j'ai attendu le plus. Ça en fait une fois il était à moitié prix, je l'avais pas acheté à ce moment-là, du coup j'ai jamais voulu le racheter par principe de pas payer le double du prix. Ce qui était à moitié prix il y a quelques mois. Et ils ont jamais refait l'œuvre, du coup j'attendais, mais bon, je craque, j'ai envie de le tester. J'ai déjà le, comment on appelle ça, le platine qui rend super bien, très réaliste, il rend très 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 bien. Mais on va prendre le tout, il ressemble un petit peu au pack diamant, en version plus colorée. Donc a priori, un bon achat. Alors il est plutôt cher, ça va pas se cacher, mais donc c'est un pack pour universel, un pack de skin universel, donc pour toutes les armes. Donc pour 6 armes, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. On va tester ça, les différentes couleurs sur différentes armes, pour un petit peu ce que ça rend, et s'en rendre compte, ça c'est un bon achat ou pas. Certes, cher, mais je le veux. Je le veux depuis le temps que je l'attends, enfin. Vraiment, j'espérais qu'il soit de nouveau en promotion avec les soldes, tout ça, mais finalement rien. Donc j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Et j'accepte de payer plein pot. Bon, c'est clair, 15€, c'est quand même beaucoup pour juste 6 skins d'armes. Mais voilà quoi, c'est pour toutes les armes. Par contre, je peux mettre le petit message, voilà. Ça disparaît, du coup j'aurai le téléchargement en principe. Et on pourra le voir. Voilà, Rainbow Six, skin d'armes, Amazite. Voilà, donc chaque petit pack. Forcément, c'est un regroupement de plusieurs packs. Nouveau contenu, skin d'armes, Amazite. Putain, ils sont vraiment stylés par contre. Skin d'armes ajouté à votre inventaire. Passe au suivant. Enfin, donc il y en a 6 en tout. Enfin, en l'occurrence 5, parce que j'ai déjà un. Le platine. Oh, mais débranché, petite manette, c'est le temps, tu fais un peu du caca. Tu débranches sans arrêt, ça va pas ça. Skin d'armes, on l'a vu. Passe au suivant, donc on a le violet, le rouge. Ah, le bleu, oh, il rend super bien le bleu. Il est magnifique comme ça. Il rend super bien. Le cyan, c'est ça la couleur cyan. Écoute, pourquoi pas. Soyons fous, il me reste encore 2 je crois. Si j'ai pas de bêtises, on a le vert apparemment. Exactement, l'émeraude, et c'est ça. Émeraude et l'ultime pack. Que j'avais pas encore, le topaz, en sachant qu'il y a aussi le platine. Mais platine, j'avais déjà acheté. Topaz, tu t'affiches? Tu en es capable, petit topaz. Ah, attends. Topaz, ah ok, c'est jaune le topaz. Je ne savais pas. Bon bah parfait, écoute. Et le platine, on l'a déjà. Est-ce qu'il me le montre quand même? Enfin, je crois que je l'avais. Bah, il le montre pas, c'est bon. Enfin. Du coup, on les a. Pour tester sur quelle arme? Écoute, on va aller en mode bourrin. On s'en fout littéralement au niveau des armes. Tout l'intérêt, c'est juste de le voir. Simplement de le voir. Alors, sachant que c'est sur les armes principales et les armes secondaires, forcément, c'est un skin universel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils sont pas... Oh là là, ils sont pas dégueulasses. Sachant qu'on peut aussi comparer avec le diamant que j'ai... où est-il le diamant? C'est celui-ci. Tu vois, c'est vraiment la même chose. Je veux dire, tu regardes. Bah, ils sont pas cassés. Ah oui, ils sont vraiment pas cassés les fesses. Le diamant, en fait, c'est exactement le même, seulement bah, le diamant est blanc et les autres sont de couleur. Tu regardes les reflets, la forme 3D, c'est vraiment la même chose, les triangles, tout ça, il n'y a aucune différence. Donc c'est vraiment exactement le diamant, mais en couleur. Sachant que le diamant coûte 100 000 de renommée, ah, ça fait un peu mal. Je t'avoue que ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, maintenant que ça fait pas que tu claques 100 000 de renommée pour avoir 3 cacahuètes, tu me diras. Donc c'est pas la fin du monde. Mais ils sont super stylés. Ah, ils rendent magnifiquement bien. Franchement, je pense aussi beaucoup sur les armes secondaires, ça peut être sympa. En principal, j'ai souvent des trucs assez sympas, mais sur les armes secondaires... Alors, émeraude, moi j'aime pas trop la couleur émeraude, je suis pas très fan. La couleur bleue qui est cool. Le cyan, bien... D'ailleurs, le cyan, non, c'est pas le... Est-ce que c'est avec le pack? Avec le pack, j'ai quoi? Émeraude, cobalt, amésite, platine, topaz, cyan. Oui, cyan. Parce que normalement, j'ai reçu le pack bleu universel, mais je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens d'acheter. C'était avec... Attends, il est là? Turquoise, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Parce que j'aurais dû recevoir avec la mise à jour, normalement, un pack, le bleu pétard. Je sens bleu qui ressemble un peu à ça, mais sans l'effet. En fait, c'est un couleur unie. Mais ça n'a rien à voir. Mais franchement, ça rend super bien. Ça rend super bien. Bon, forcément, le diamant, faut pas le regarder. Ruby. Et faut savoir, en fait, le reflet, quand t'es en in-game, on ira après en in-game, t'as vraiment, en fait, des reflets très différents. C'est ce que j'adore, en fait. Alors, voir si ça, on se rend compte aussi bien. Avec le diamant, justement, on voit bien les reflets en fonction de la lumière, de ce qui est autour. Est-ce que la couleur va rendre aussi bien? C'est à tester. Désolé, j'ai éternué. Au montage, j'aurais coupé ça. J'ai pas réussi à finir ma phrase. Je disais donc, à voir comme ça rend. Améthyste, c'est sympa aussi, c'est intéressant avec le côté un peu plus foncé. Ah, mais j'aime beaucoup. Là, franchement, pour le coup, j'aurais dû l'acheter avant. Mais j'avais déjà le diamant en même temps. Que j'ai beaucoup utilisé, maintenant je m'en suis un petit peu lassé. Mais ils rendent super bien, enfin.
Du coup, ce que je propose, c'est déjà d'aller voir sur d'autres armes, et après on ira in-game pour voir un peu ce que ça donne. Tiens, sur le pistolet d'abord, se rendre compte un petit peu ce que ça donne. Alors, toi, j'ai le diamant, je t'en sur le pistolet, enfin, le petit diamant des familles, qui est plutôt badass. On va pas se le cacher. Ah, mais il est encore plus badass en couleur. Ah oui, il rend encore mieux. C'est énorme, j'adore. Totalement fan de... regarde ça. En fait, les reflets de ce style de pack sont splendides. Ils sont juste magnifiques. Avec la couleur, ça rend vraiment très très bien. Regarde ça. Oh, j'aime. Là, clairement, j'aime beaucoup. Un pack que je vais adorer. En rouge aussi. Oh, c'est pas dégueulasse. Là, je t'avoue que je suis fan. Bon, après, c'est pas du tout réaliste, on est d'accord. Un flingue peut pas être comme ça. Mais on s'en fout. C'est stylé. C'est clairement stylé. On va voir au niveau de la SMG comme ça peut rendre. SMG, fusil à pompe, et puis après on ira directement in-game. Alors j'ai déjà un skin plutôt sympathique, mais montre-moi les autres. Je suis un peu moins fan parce que forcément la SMG a le chargeur en dessous, la poignée. Du coup ça, c'est pas forcément la folie. Ouais, quoique en bleu comme ça. En bleu ça va bien. En bleu je l'aime bien. Après il y a d'autres couleurs, le rouge, moins fan. Je suis un petit peu moins fan du en rouge. Ouais, quoique, tu dis non, mais t'y fais. Tu t'y fais. Non, non, c'est cool aussi. C'est rentré très bien, enfin. Une autre couleur pour voir. Ah, celui-ci. Ah, il est stylé, il est cool. Et le diamant, plus basique, écoute. C'est vrai que le diamant est beaucoup plus basique. Mais c'est le diamant, écoute. En jaune. Pas mal, c'est un petit côté or, mais qui brille, qui est différent, que je préfère, limite. Ah non, ça rend super bien. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est juste splendide. Je vais faire le petit bac, je monte vite encore le fusil à pompe. Un peu comme ça rend. Et puis après, on ira voir une game. Parce que l'avantage, enfin, l'avantage de ces skins, c'est que j'ai envie qu'ils sont très brillants. T'as vraiment des gros reflets. Ah, le skin gravé, c'est le seul que j'ai acheté. Et j'achèterai directement le pack pour une vidéo aussi. Parce qu'ils sont magnifiques, les skins gravés pour les anglais. Mais ça, ça serait une autre vidéo. Restons concentrés. Alors, sur les pompes, je suis un petit peu moins fan. Parce que le problème, c'est qu'en fait, là où tu recharges le pompe, il est la même couleur. Peut-être si c'est une couleur noire, ça distinguerait un peu plus. Le fait qu'il soit entièrement rouge, je suis un petit peu moins fan. Je suis un petit peu moins fan, mais écoute, ça son style aussi. Mais ouais, j'aime moins. Sur le pompe, j'aime moins. En fait, ouais, c'est ça qui me dérange. C'est le fait, tu sais, ce que tu tiens avec la main pour recharger en dessous. Je trouve qu'ils auraient dû mettre une autre couleur. Une couleur plus foncée pour contraster avec le reste. Là, vu qu'il est la même couleur, ça rend un peu bizarre. Mais le skin en lui-même est vraiment cool. Donc clairement, du coup, on va directement in-game pour tester ça. Juste, j'en reviens là, ce que je viens de me rendre compte, en fait, en fonction de la couleur, il y en a qui ont justement le truc du rechargement en noir. C'est bizarre. Justement, c'est ça que je reprochais aux autres. Je trouve beaucoup plus joli d'avoir ça en noir. Ça va, en fonction de la couleur, en fait, tu l'as en noir ou pas. Ça va, si tu regardes ici. Donc là, il est en couleur, couleur. Là, il est en noir. Là, il est en noir. C'est étrange, ça, qu'il ne soit pas partout pareil. La couleur unie, je pense que c'est les couleurs claires, en fait, ils le mettent de la même couleur. Ouais, tu vois. Les couleurs claires, ils le mettent de la même couleur, alors que les couleurs foncées. Ah, pourtant, le violet, c'est foncé aussi. Quelle est la logique? Pourquoi est-ce qu'il y en a... combien ça fait 1, 2, 3, 4... En tout cas, 4 ou 5 qui ont la même couleur, et t'en as 2 qui ont leur chargement d'une autre couleur. Je vois pas la logique de la chose. Pourquoi ils ont fait ça? Je m'étais dit que c'est couleur foncée, mais non, parce que le violet, c'est une couleur foncée aussi. Pas la moindre idée. Clairement, pas la moindre idée, mais écoute, ok, voilà. On va mettre comme ça, du coup, t'en limite en bleu. Tiens, celui-ci, il est vraiment cool. On va le tester comme ça, on ira le tester in-game. Alors on commence directement par le rouge et le bleu. Oh, franchement c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ça change. Et en plus avec le rebord comme ça, il fait assez réaliste. Quand il est entièrement d'une seule couleur, c'est différent. Mais c'est vrai que ça rend bon, réaliste. Non, c'est absolument pas réaliste. On est d'accord. Il n'y a absolument aucun point réaliste sur ces armes. Mais le reflet est top. Et tu vois justement, selon comme tu te portes, j'adore, c'est le reflet en fait qui change complètement. Donc ce sont des lumières, tu vois, le skin change totalement. Comme le diamant, bon, forcément un petit peu moins, parce que le diamant, vu qu'il est blanc, ça influence un peu plus les couleurs. Mais tu vois tous les reflets qu'il a, mais c'est génial. Il rend super bien ce skin. Alors là, je t'avoue, je suis plutôt content. Un bon petit achat, j'en regrette pas du tout. Attends, regarde, charge un coup, pour vous montrer. Non, avec le petit pendentif baguette. Ah, il est badass, il est clairement badass, ça plutôt content. Je vous montrerai également les autres couleurs. Bon, je vous montre pas l'image de fond, enfin de fin. Je vous montrerai une fois pour voir, mais ouais, on s'en fout un petit peu. Clairement, je change de couleur et je reviens. Alors, j'ai changé de couleur. On a la couleur violette. Alors, je suis moins fan. Après, c'est les goûts, les couleurs, comme d'habitude. Je suis un petit peu moins fan, mais dans l'absolu, elle fait peut-être un petit peu plus réaliste, si on ose dire. Bon, dans l'absolu, c'est débile, il est réaliste sur ce genre d'arme. Mais c'est un style. Moi je fais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, écoute, je vais en tous les sens. Un peu moins fan. Mais elle a un style, écoute, elle a un petit. Elle a un style un peu différent qui peut être sympa. Juste pour le plaisir. Écoute, on aime bien tout péter.
Elle est différente en fait au niveau du reflet. C'est vrai que c'est pas la même chose. Au niveau du reflet, c'est assez différent. Et puis j'ai pris le jaune sur le pistolet F, qui est plutôt pas mal aussi. Enfin, franchement, ils sont cool ces skins. Ils sont vraiment sympas à voir. Regarde ça. Regarde quand tu recharges. Ah, il est magnifique. Le jaune, je trouve, il a un petit côté du coup un peu gold, un peu or, qui rend assez bien au final. Ouais, mais très très bien. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin. Ah, fais-toi plaisir, défoule-toi. Ah, il rend super bien même. Vraiment cool. Regarde, le violet. En fait, le violet est différent. Moi, je suis pas très violet, mais ce thème du violet, rien à dire. En plus, elle est assez sombre. Et puis, les reflets, je trouve, elle est en fait pas la même manière que les autres. Le reflet, toi, sur le violet, ça donne un truc un peu différent. C'est pas pareil. J'ai l'impression que c'est un peu plus peinturé. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est l'impression que j'ai. Alors, j'ai encore changé. Clairement, je sais que je vais oublier des couleurs. De toute façon, l'idée, c'est de voir à peu près. Là, j'ai mis le vert. Je sais même plus si j'ai déjà montré ou pas. Le vert et le vert, d'accord. C'est pas mal comme stratégie. Au moins, on voit comme ça sur des armes différentes. Sur le pistolet, alors, faut que je mette le fusil à pompe aussi. Faut que je tente le fusil à pompe. Il y a le platine que je vais vous montrer également. Mais, non, franchement, j'adore. C'est gros coup de cœur. Après, je pense que si je dois choisir les couleurs, j'ai le bleu foncé et le jaune. C'est ceux que j'ai le plus apprécié pour le moment. En termes de pistolet, ouais, sur le pistolet, le jaune. C'est vrai que c'est petit effet goldé. Peut-être plus sympa que le vert, même. Mais bleu foncé et jaune. Après, faut que je teste maintenant sur l'autre arme. Le rouge aussi est pas mal, tu me diras. Ah, c'est compliqué. Parce que tu peux acheter, faut savoir que tu peux acheter pack par. Enfin, skin par skin. T'es obligé d'acheter le pack entier à 15€. Tu peux acheter, je crois que c'est 2,99€, un seul pack. Ce qui peut être cool si t'as pas de skin. Tu mets 3€, t'as un petit skin universel pour toutes tes armes. Ça fait le taf. Clairement, ça fait le taf. Mais sympa. Clairement sympa. Ce que je vais faire, c'est. Ben... Aïe. GG. Au moins, voir un peu l'arme comme ça gicler. Écoute, c'est pas plus mal. Ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà au niveau des fusées à pompe. Et aussi, je vais vous montrer après le platine. Parce que le platine est vraiment très très joli. Quand tu veux un skin vraiment basique qui va avec tout, c'est parfait. Alors, j'ai pris le petit fusil à pompe avec le skin bleu. Je m'excuse, je ne me rappelle pas des noms. Parce que, donc, il y a émeraude, cobalt, améthyste, platine, topaz, chiant, rubis. Autant dire, je sais plus. Là, le bleu, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Mais là, franchement, il rend super bien. Parce que j'adore là. Fais-moi ça. Le petit skin. Et recharge. Ah non, il est splendide. Il est magnifique. Pour moi, là, il rentre dans mon top 5 des meilleurs skins. Clairement, j'adore. Gros, gros coup de cœur. Allez, fais-toi plaisir sur la voiture de flic. Donne-moi ça. Juste magnifique. Ah, j'adore. Grand, gros coup de cœur. Et je vous ai mis le skin platine sur le pistolet. Et du coup, le skin platine, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un skin réaliste, en fait. T'as vraiment l'impression d'avoir un vrai pistolet brillant, comme il faut, réaliste. Magnifique aussi. Et ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que t'es vraiment réaliste de ce pistolet F. De ce skin, soit sur les armes principales ou sur les pistolets. Après, je vais vous montrer justement sur l'arme principale, sur l'arme de Thatcher, l'autre arme. L'AR, je vais vous montrer justement le skin platine. Mais splendide. Vraiment splendide, regarde ça. Juste ce qu'il faut. Non, franchement, ces skins, ils sont tellement cool. Ils rendent super bien en jeu, en plus, ça qui est cool. Avec les petits reflets et tout, ça change complètement. Ah, j'aime beaucoup. C'est pas du tout réaliste, mais ça donne vraiment un petit style sympa. Alors j'ai mis donc le skin platine, et donc là on le voit c'est une autre arme aussi un peu différente. Et ce qui est cool, tu vois, c'est ça, c'est que ce côté hyper réaliste. Mais qui est classe, qu'il a ce petit brillant, je sens, il a ce petit côté platiné, qui est juste génial. Perso j'adore. Le skin platine d'ailleurs c'est un skin que j'ai acheté il y a longtemps. Parce que justement pour sur les armes ou je sais pas quoi mettre, je mettais le skin platine parce qu'il va toujours. C'est si tu veux un skin universel un peu réaliste, qui rend bien sur n'importe quelle arme, tu prends le platine. Combien c'est 2,99€ je crois, si tu prends un seul skin. Prends celui-ci, t'as un skin pour toutes tes armes où tu sais que t'as un truc toujours cool. Toujours truc cool à mettre et c'est vraiment ce côté en fait, genre mais c'est métal mais brillant. Du coup, juste splendide. Tu vois, sur l'arme comme ça rend et sur le pistolet. L'un ou l'autre, c'est juste parfait. Ça rend hyper bien, ce côté bien brillant comme il faut, je sens le skin platiné. Perso, j'adore. Du coup, on avait à peu près tous ces skins, j'ai certainement dû en oublier, j'ai montré sur 2-3 armes, histoire de vous rendre compte, forcément, j'ai pas pu tout montrer, mais j'espère que ça vous plaira, du coup, pensez à un petit pouce bleu, et puis à laisser un petit commentaire, pour dites-moi un peu ce que vous en pensez, quel est celui que vous préférez, perso, j'ai le jaune, le rouge et le bleu foncé, clairement, et le platine, bon, du coup, ça fait 4, ça fait un peu beaucoup, tu me diras, si je dois en choisir qu'un, je te dirais le bleu foncé, ouais, vas-y, c'est celui que je préfère, le bleu foncé, ça va être le... Topaz, non, Sion peut-être. D'ailleurs, attends, on va vite aller le voir. Alors, c'est le cobalt, le bleu. C'est souvent celui que je préfère. Le cobalt est juste splendide. Après, je vais pas montrer le diamant, j'ai fait déjà une vidéo sur le diamant, si jamais, qui était sorti sur ma chaîne. Mais le amnésiste était sympa en violet, mais je suis pas très violet. Le rouge est cool, mais un peu trop agressif, je trouve. T'avais le Sion, mais très agressif comme le rouge. Je pense qu'un des bons compromis, qui est pas trop what the fuck, mais sympa, c'est le cobalt.
Clairement, je trouve que c'est celui qui s'adapte le plus. T'as, tu vois, en plus, ce qui est cool, c'est que tu vois, le bleu, t'as des reflets différents. T'as des bleus plus foncés, des bleus moins foncés. Un peu comme le Black Ice. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas partout la même couleur. Et ça, c'est cool. Donc, vraiment, une couleur que j'adore. Donc, un bon pack, là, vraiment, un super achat. Je suis content. Il est certes cher, mais c'est pour toutes les armes. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Puis, au pire, t'en prends juste un qui va te faire pour toutes tes armes. Donc, ça passe plutôt bien. Enfin. Du coup, les amis, pensez à un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!